Bonjour Madame Mathilde Mathilde, 17e épisode du jeu Need for Speed Underground 2. La dernière n'a pas été longue, dans le fond j'ai fait un petit circuit et le jeu a crashé. Mais c'est pas tellement l'heure d'avoir tout regardé pour la simple bonne raison que la course n'est plus dans la map. Ça l'a tout regardé, j'ai pas plus d'argent. Dehors, mais t'as quoi, j'ai modifié un peu mon véhicule sûrement. Donc t'es reparti de suite, je tourne deux épisodes à la suite dans le fond. Si je vais faire des sprints, il y en a plus proche. Elle est pas. Je vais faire les sprints que les courses. C'est une bonne raison que en général c'est moins long. Fait que là, j'ai été voir au garage juste pour voir si le tout est encore là. Et le tout de mon véhicule est encore modifié, t'as vraiment tout regardé à la fin de la courbe que t'as planté. Ça fait juste toi tu leur dis bizarrement. Un sprint, bon. Sprint l'autoroute. Pas grave. Dans le fond, c'est ça, t'as tout regardé, t'es juste que le jeu est planté. T'aurais pu en faire, dans le fond, contenu la même épisode, mais pourquoi pas faire un autre épisode, ça fait quand même 20 minutes, des plus courtes, des plus longues, c'est pas grave. J'en fais comme bon me semble. Ça, ça ressemble à la course qu'on vient de faire devant, dans le fond, c'est la même plate. Tourne ici. Ok. Sprint qui va très vite. J'ai tourné au garage entre temps, comme je vous ai dit, pour vérifier que toutes mes affaires étaient là. Puis j'ai vu qu'il y avait un nouveau pot d'échappement. Donc j'ai mis le nouveau pot d'échappement et c'est un single tip et dedans. Et sinon j'ai rien fait d'autre là. Ça me donne plus de points. Et d'étoiles que je veux bien évidemment. Downshift, upshift, downshift, upshift, c'est pas le plus vite. Le truc, je voulais absolument pas toucher aucun mur pour toute la course. J'en ai touché à un dans un virage, c'est un peu dommage. Il y avait un raccourci. Et voilà. 6 secondes de rente et t'es payé en tabarote. Et la barre est dans le coin, à la recherche d'une couve, alors sois bon. Ok, ok. C'est ton putain de piton. On va faire ça. Bon, hein? Ne quittez-vous pas, je vais faire de mon mieux. Était comme jamais au bout de là. Vraiment je fais un tune sur mon char. J'ai modifié puis j'ai pas fait de dyno tune. Zéro pantoute.
Et voilà. Trompe-moi pas, merci. Ah, je voulais te regarder. On va prendre tout ça pour voir si... Le dégât, ça m'intéresse pas trop. Je peux aller faire le Street X. Oh. Tu sais, les pièces de série, c'est pour les nazes. Si tu veux devenir le maître, il te faut un truc spécial sous le capot. Tu trouveras ici toutes les pièces dont tu as besoin pour transformer ton taco en bolide. Ok. Buggé? On va retourner dans le jeu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Mais il y a bien des bugs, ce jeu. Je sais pas, t'es mes cartes graphiques, mes settings. Mais c'est dommage. J'ai découvert un nouveau garage, donc j'ai pu avoir de nouveaux équipements. Et oui. C'est mon char pour le fun. Donc voilà. Et la barre est dans le coin, à la recherche d'une couve. Alors, sois bon. C'est plate qu'il faut le recommencer, putain. Bon. Ok, let's go. Non, faut pas que je me retrompe. Effectivement. Ça se fait très bien, cette fois-là, on va tout regarder. Alors, à tout regarder, je crois que t'as pris ma tour garde de là. Wow! Oh, ok. C'est nos chars, non? Hein? Ah, oh, t'as sauvegardé! De série, c'est pour les nazes. Bon. Si tu veux devenir le maître, il te faut un truc spécial sous le capot. Tu trouveras ici toutes les pièces dont tu as besoin pour transformer ton taco en bolide. Parfait. Faut pas acheter. Faut pas acheter. Faut pas acheter.
Oh, papa, c'est quoi ça pour les pneus? Yokohama. Frein, on peut acheter les meilleurs freins. Brembo, ben oui. Puis la récartion de poids, on va mettre ça plus léger. Boah. Turbo, ah, ça a été hâte. Et pourquoi pas le mettre le dyno? Mets au point ta caisse en ajustant la puissance et la direction pour chaque course afin de pouvoir en tirer le maximum. Le dyno et le circuit test te seront utiles pour affiner tes réglages. Et voilà, on va aller voir combien qui est plus fin maintenant. Ok, c'est pas tout. Bon, moi, c'est bon, moi. Ça, je pourrais modifier pas mal plus, ça. Mais bref. Mais bon, ok. Rejoins l'emplacement de ta carte, je vais te donner des détails quand tu es sur place. Je suis déjà là. Hein. Puis t'es voilà. Bon voilà, mauvais départ, donc me pousser dans le mur. Ok, mes pneus collent bien bien plus qu'auparavant. Vraiment différent. My god, qui pneu colle. Vraiment intense. Wow. Ne te parle tout le temps pas de ta plante, là. Nouveau système de purge nitro. Je regarde pour des garages dans le fond, dans le coin. Je n'en ai pas vu là. Et... un bas échappe. Ah ouais. Partage, j'avais débloqué toute la map.
en bas des chats. Effectivement, je pense pas qu'il y ait une nouvelle chose de tout court. Non, non. Oh, des nouvelles adores, putain, rien. Moi j'ai mis elle. Et elle? Oui, elle. Ça l'est bien plus cool. Ok. Regarde tout alentour, on sait jamais, on peut trouver un autre body shop bien intéressant. Ok, fine. Bon, on va aller faire Street Tick. T'as probablement ta véhicule là, va en vie. Puis il est modifié pas mal là. Mais non, t'as bien beau être une Peugeot, un véhicule que normalement je prendrais pas. Mais il est beau et très bien. Tourne, t'as pas de bon temps. Toutes les pièces du rite. Dans le fond, j'ai rien de nouveau là, c'est juste débloquer un nouveau garage. Hein. Que j'avais jamais vu auparavant. Je crois que c'est juste ça. Nouvelle rue que j'ai jamais pris dans le fond là. Oh yeah, c'est aidant. Petite course. J'ai pas de nitro, t'es vrai. Et voilà. C'est court, de pas longtemps. Généralement payant. Et voilà. Ok. L'argent, on gagne beaucoup avec cette pente-là. Moi, j'ai peut-être un peu de pente-là.
Moins d'argent, plus d'argent, moins de pompe. J'aime bien les chutes parce que t'es pas long en général, t'es intentif. Mon véhicule, t'es là-dedans qui est le meilleur du coup. Donc pour ça, j'aime bien ça d'en faire. Voilà. Et boy. Et boy. Oh wow! J'ai jamais fait de là. Peur de faire. Et voilà. J'aime ça parce que c'est vraiment pas des côtes longues. Longue. Pas longue. C'est pas payant. C'est vraiment un beau tour ça. Que de même un tour d'avant. Voilà, tout ça, carrément. Un tour d'avant. Ça, tu regardes. Étouffe d'or, poileux et prise d'air. Il y a un niveau. Nouvelle transmission, c'est un chevaux. Il y a le moteur, c'est de la cavalerie. Nouvelle transmission. Oh yeah! Clutch master. You! C'est cool! Oh my god! Ça cloche beaucoup plus vite maintenant. Vraiment plus vite là. Oh non non, t'es incroyable. Ça partait quasiment à moi en vraie vie là. Oh non. C'est beaucoup mieux de pas comparer. Voilà. Coupe en montagne. J'ai pas l'accélération, j'ai pas le top speed, mais j'ai la maniabilité à cette véhicule.
J'ai pas les virages les mieux placés non plus. Qui me colle. Ça a l'air comme une mouche. J'adore cette pinte là-dedans. C'est vraiment les plus belles gouttes de ce jeu-là. Ou presque. Mon côté du chemin. Oh, j'aime pas trop ça avoir fait ça, d'être ça à la fin, you. Plus de nitro. Pas droit à l'erreur, non plus. Pas droit à l'erreur. Pas de erreur, mais dans le fond j'ai fait une erreur qui était pas la plus coûtante parce que j'ai crashé mais j'ai resté en ligne droite donc j'ai pas perdu full de vitesse, une manière de parler. On est perdu? Même moi. Les gars de Maxi Tuning traînent dans les rues à la recherche d'une caisse pour leur couve. Fonce. Peut-être que je vais faire avant le vélo au garage. Je suis en train de tenir, sauvegarder. Et voilà. Je viens de recommencer donc. Je vais monter pour regarder. Ah non, ça fait vraiment une différence avec cette nouvelle boîte là. Vraiment une différence, merci. Là, t'es pas mal plus jouable. Let's go! 2 minutes 30. Ça se fait très bien, je crois. Le tout se fait, dans le fond. Hein. J'ai pas trouvé une qui était particulièrement difficile. Oui, il y en a une, c'est vrai que chaque vie est pas mal aux secondes près. Et voilà, le virage ici. Dans le fond, c'est pas mal juste en ligne droite jusqu'à là-bas. Ben, le même chemin que je veux dire. Le même chemin et non changement de vie.
Come on. Non, ça se fait bien, mais quand même. C'est un peu plus loin, hein, ça fait bien. La classe, tu vas être en couverture de Maxi Tuning. Oh wow, on comprend rien. Voilà. On va faire un print le plus proche chez lui. Ça va bien, depuis j'ai changé de trempe, ça fait longtemps que j'ai une meilleure trempe. Non, avant, tu prenais même trop de temps de changer de gear. Là, t'es à top table. T'es bien, même. Ah ouais, à l'autre bout de la ville. Non, ah ouais, en haut de la ville, en haut de la montagne. Ok, non j'aime ça des sprints, j'aime vraiment ça. On va pas aller vite en 3, ça a été bien cash. Bon. Ah non, c'est... pas comparé là. Oh la transition là, pas vraiment une grosse différence. J'ai hâte de la mettre mes autres véhicules, mais je les mettrai pas de suite tant que je vois pas de nécessaire. Le seul temps que je vais aider ma Tupa, c'est vraiment dans les pistes de drag, sinon la mettrait pas. C'est pas une bonne raison que ce véhicule là fait tout sauf la drag. Moi, je veux une Subaru qui fait tout. Bon. Et voilà, shortcut. Je regagne la nitro au cas où qu'il m'a eu un petit pépin. C'est pas mauvais. Je vais en gagner là. Une fois. On a fait tant là. J'aime pas toi, papa. Gardez le gaz puis dans le shifter. C'est comme irréaliste, mais. Le jeu le prend bien.
cherchais tellement vite de gear que... Wouh, t'as tout regardé. Ben, l'autre print qui est à côté là, pourquoi pas. Je pars de haut en bas, hein? En bas encore. Une petite bahut. J'entends une petite bahut, puis j'ai vu une petite bahut. Je cours actuellement contre une petite bahut. Elle me fait un peu capoter parce que j'en veux tellement une. J'ai aucune idée que la mienne va aller aussi bien. Que le véhicule que j'ai actuellement, mais je suis quasiment certain que oui. 4x4, 4 roues motrices. Et voilà. Puis je vois la fin à 4, mais on n'est pas vraiment proche. Mais non. Quand même. Et voilà. Ici, à droite, à gauche. La cinquième gear est bas. Tromper le chemin, ben regarde tantôt. C'est un gros détour quand même. Mais j'ai pas pu réagir, c'était comme trop vite fait. J'ai pas eu le temps de réagir. Voilà. Il y a encore des courses ici. Je peux pas me téléporter directement là-bas. Allez au garage pour le fun. Circuit. Ok. Donc, je suis allé au bout du monde. On va aller faire cette course-là. Oh. C'est vraiment à l'autre bout du monde, c'est pas grave.
3 minutes, je vais être là, à peu près. À peu près, merci. Ok. Ah ben ouais, c'est bien intense. Ok. Quand le défi t'es plus bien ben long. Ils veulent que je parte par l'autre aéroport. Ok. Mais attends, ok, ça va être à gauche, ça, là. Gauche, gauche. Gauche. Quand ici, on est plus bien, bien loin. Et voilà. Tour TPU était vraiment les courses championnats nécessaires pour faire avancer le jeu. Je crois bien. Et voilà. Ok. C'est bien, c'est bien. Ok, c'est un tour, dans le fond c'est une course. Je crois que c'est juste une course. Quand même assez intense comme ça fait, merci. Et voilà. Tourne à gauche. Droite à fond. Bon, t'as un long percu quand même. Le tour prend 1 minute 30. Je pensais que c'était 2 minutes le tour, c'est vrai, hein? Ah, ok. Et voilà.
Ça va bien. Très demandant, concentration quand même. Et haute vitesse, là, pour tout dire. Ok, ça va pas bien. Je garde mon nitro là parce que à date c'est bas, je vais me faire attraper. Toujours garder mon nitro en fait, au moins. Un cadeau qui porte quelque chose. Cette course-là, on dirait qu'elle est faite pour être pas mal plus serrée. C'est pas même plus dur en fait. Au moins, un char change de gear beaucoup plus vite. C'est très agréable. Mon meilleur tantôt prouve que je l'ai fait bas. Et voilà. Les autres sont plus vite que moi dans la ligne droite, je le vois par les secondes qui se rapprochent. Ça joue vraiment juste dans les virages. D'où qu'il y en a quand même pas mal, puis des gros virages. Bon, dernier tour. Ok. Et voilà. On coupe. Coupe. Et voilà. Je veux pas ta bug. Ok, je suis à pas pour la course, va faire un tour de la concession quand tu arrives à un moment. Il y aura une quête d'en face. Ok, on va aller faire ça.
quand même une longue épisode, on s'entend. Mais c'est pas grave. Il y en a des courtes, il y en a des longues, comme j'ai dit dans l'épisode précédente. Caisse d'enfer, on va aller voir c'est quoi cette caisse d'enfer là. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oh! Mais je suis cheaté à Nissan 350Z R7. Oh, Nissan 350Z, c'est un méchant beau char, pis le fun char de début. Toujours pas de petit bug, mais c'est pas grave. On va tout regarder ça ici. Moi, je trouve que c'est assez pour cet épisode, donc je vous dis surtout merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai dit prenez soin de vous et bye bye.